Bienvenue encore une fois à Evis Auto. Alors, dans cette vidéo, on va faire une petite démonstration de nettoyeur de haute pression de la marque Ryobi, 36 volts, sans câble, à batterie. Pour tous comme moi, que vous n'avez pas de prise, et pourtant vous avez besoin de haute pression. Dans mon cas, je vais nettoyer des voitures. On va faire des petits tests. Bon, je vous montre là l'espace pour les deux batteries, mais ça fonctionne avec une seule batterie aussi. Et le test dont je vous vais parler, c'est avec la bus turbo et le bus multifonction. Et on va faire des petits tests dans le goudron. Aussi, une considération, si vous avez besoin de n'importe quel détail de cette nettoyeur de haute pression, je vous laisse ici une vidéo très longue et très détaillée avec toutes les options et tout l'unboxing de cette nettoyeur de haute pression de Ryobi. Alors, allons-y. On commence avec la bus turbo. Et de cette façon, on peut tester la puissance de cette machine. En utilisant le bus turbo, pour moi ça suffit, sauf que il n'y a pas assez de puissance. Alors on va nous en servir du bouton turbo, ça donne plus de puissance. On a vu comme avec l'option turbo et l'orifice turbo, vous pouvez nettoyer les goudrons si vous n'avez accès à une prise électrique avec ce nettoyeur de batterie. Mais qu'est-ce qui va passer si vous n'avez pas ni de prise électrique ni d'accès à l'eau courante? Alors, Ryobi a pensé à ce problème et vous propose une petite solution. C'est pas ma préférée, mais bon, ça fait le travail. Voici la situation. Maintenant, on a un nettoyeur de haute pression à batterie alimenté par un réservoir d'eau en plastique qui va faire la fonction d'entrée d'eau. On va tester les multibus dans un mur blanc et on va tester si ça fonctionne ou pas.
Alors, l'équipement a fait un très bon boulot en nettoyant les murs. Et on a toujours de l'eau dedans les réservoirs. De toute façon, moi je trouve que ça serait une meilleure solution d'avoir un réservoir rigide qui serait plus confortable. En tout cas, la raison pour laquelle j'ai acheté cette machine, c'est pas pour nettoyer des murs, c'est pour nettoyer dans la chaîne YouTube des bagnoles, des voitures. Alors on va tester un camion à mousse et voir les résultats dans une voiture. Le nettoyeur Ryobi est fourni avec des adaptateurs, des nils fixes ou en ce cas des Karcher, de façon qu'on puisse utiliser des accessoires d'autres de la concurrence. Alors on va tester. Ah, voici, voilà, les canons à mousse de Karcher, en sachant qu'il faut absolument, pour avoir une bonne mousse, les boutons, utiliser les boutons turbo. Allez, on va les tester. Qu'est-ce que je peux dire de cette Ryobi nettoyée de haute pression? Je suis très satisfait avec lui. Pourquoi? C'est très compact, il a fait un très bon travail, étant donné que vous avez besoin de deux batteries, parce que sinon le temps de travail serait trop court. Aussi, vous dire, je vais faire une prochaine vidéo à propos des améliorations dans la machine. Un meilleur tuyau, un meilleur pistolet, etc., des connecteurs rapides, etc., etc. Alors, je vous recommande de suivre la chaîne YouTube pour ne manquer rien. Aussi, vous dire que dans la description ci-dessous, vous trouverez toutes les infos de tous les accessoires de cette machine. Allez, à la prochaine vidéo.